Zaya Dehar, ses preuves qui montrent n'a fait aucune chirurgie esthétique. Zaya Dehar a-t-elle fait de la chirurgie esthétique? Voilà l'une des questions que se posent le plus les internautes. En 2013 et en 2019, la starlette avait répondu à la polémique et avait apporté des preuves de ses dires aux Français. Zaya fait partie des mannequins que les internautes adorent. Avec sa longue chevelure, ses yeux de biche et ses jambes fuselées, la jeune femme fait constamment des ravages sur son passage. Une célébrité qui a malheureusement mal tourné pour la starlette de 31 ans. En 2017, l'ancienne protégée de Karl Lagerfeld expliquait pourquoi elle était tombée dans la prostitution à l'âge de 16 ans. J'étais jeune et je voulais avoir des relations sexuelles. Je ne voulais pas rester vierge. Et puis je me suis dit, j'ai quoi comme possibilité? Toutes les filles de mon âge avaient un petit copain. Elles étaient amoureuses pendant un mois, puis elles étaient tristes, puis elles changeaient. Puis elles avaient un nouveau petit copain et refaisaient la même chose. Je me suis dit, autant avoir des relations sexuelles et gagner quelque chose en retour. Je trouvais ça plus excitant. Expliquait Zaya, révélant poursuivre sa scolarité en même temps que cette activité. Est arrivé ensuite l'affaire Zaya. À l'époque, ses revenus étaient estimés à 20 000 euros par mois. Des sommes rapidement dépensées dans le shopping. Je n'ai rien gardé. J'étais jeune. Pour certaines femmes plus âgées, c'était un vrai business, elles mettaient de côté pour s'acheter des maisons. Moi, mon truc c'était de tout dépenser, tout le temps, révélait la jeune femme. Mais une question a toujours été suspendue aux lèvres de ses fans, Zaya a-t-elle fait de la chirurgie esthétique? En 2019 dans les colonnes du Parisien. L'actrice du film Une fille facile avait répondu à la question. Je vous dirai qu'il n'y a eu aucune chirurgie esthétique. Avait-elle déclaré, avant d'admettre avoir succombé aux injections. Je ne me suis jamais fait opérer. Depuis que j'ai 16 ans, même avant d'essayer les injections, tout le monde croyait que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Avait répliqué la star au visage de poupée. Déjà lassée de la polémique en 2013, la jeune femme avait partagé sur son compte Twitter un scanner et un certificat médical. Destiné à prouver qu'elle n'avait jamais eu recours à une quelconque chirurgie mammaire. Voici les images du scanner thoracique et le certificat signé du docteur Boissin affirmant que je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Avait-elle déclaré sur le réseau social. Un corps 100% naturel, quoi qu'en disent les détracteurs.